Le sang gêne des gens, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol. Mais franchement, j'en peux plus. Franchement, je sais pas dans quel bled on vit là, mais ça va pas du tout. Bref, j'arrive dans ma salle de sport, j'allais faire de la muscu, je commence à m'échauffer. Tac, 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 comme ça, voilà. Bon, bref, je commence à m'allonger, je prends les plats, les poids. Bref, et puis là, il y a quelqu'un qui me fait, hé toi. Alors, déjà, comment t'interpelles les gens comme ça, hé toi. Bref. Sur le coup, je dis, parle pas à moi, pas possible, hein. C'est très bien que je lui casser les dents si elle parle que ça. Bref, je continue, je prends le poids. Hey, toi, je te parle. Alors là, je connais pas Céline, je pose les poids, je me relève d'un coup comme ça, je suis quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ouais, je peux me mettre à côté de toi pour faire de la muscu. Je dis, déjà, parle mieux que ça parce que ça va pas le faire entre nous, déjà, je te le dis tout de suite. Elle me dit, ouais, vas-y, fais pas ta. Hein? Elle me dit, c'est bon. Elle se met à côté de moi, là, tranquille, ouais, ça s'installe. Attends, je vais te la montrer, regarde. Une fois, elle, regarde, 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 regarde bien. Et voilà, elle est là, regarde-moi ça. Et vas-y, que ça gesticule dans tous les sens. Non, mais regarde-moi ça, le sang gêne des gens, celle-là. Regarde-moi ça. Et vas-y, ça se la pète, regarde-moi ça.